Alexis Thambomamba combinera la justice et les affaires étrangères. Henri Havre, les finances et les mines. Bahati Kobo, le plan et l'économie. Au total, 28 ministres et vice-ministres se sont fait remplacer dans l'organisation du gouvernement par le Premier ministre Bruno Tshibala. À la fois élu et ministre, ils ont à l'unanimité opté pour l'Assemblée nationale. Jean-David Kiolo nous en dit plus. Voici les retombées de la vieille interprétation du Conseil d'État. Les chefs du gouvernement tirent ainsi toutes les conséquences de l'avis en interprétation du Conseil d'État, surtout en rapport avec la situation de certains vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres et ministres délégués et vice-ministres qui ont été élus députés nationaux et ou députés provinciaux. Ainsi, le programme d'intérim des membres du gouvernement élus députés nationaux et provinciaux aux élections du 30 décembre 2018 en situation d'incompatibilité. Alexis Thambomamba prend l'intérim du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et intégration régionale Léonard Cheokitondo. Basile Olongo Pongo prend celui de son titulaire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Henri Movasakane. Azarias Rouberoy prend l'intérim de vice-premier ministre et ministre des Transports et Voies des Communications José Makila. Modeste Bahati, l'intérim des ministères de l'économie nationale. Lambert Matuku Memas prend le ministère de commerce extérieur. Michel Bongongo Ikoli prend celui de la défense nationale, ancien combattant et réinsertion. Jean-Pierre Lissanga Bonganga prend le ministère de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté. Henri Havre est aux commandes des ministres des mines. Le ministère de l'énergie et ressources hydrauliques, l'intérim est assuré par Lumeya Dumalegi, alors que celui de l'urbanisme et habitat de Joseph Kokonyangi est assuré par Thomas Luaka Losanjola. Marcel Ilungaleu prend l'intérim du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire de Steve Mbikai, alors que l'intérim du ministère de l'environnement, développement rural est assuré par Franck Mouedi Maloula. Marie-Ange Mouchebekwa prend l'intérim du ministère de la communication et médias de Lambert Mende Omalanga. Et Tshibangu Kalala, ministre délégué près le Premier ministre, prend l'intérim du ministère de l'Agriculture. Le Conseil d'État a tranché dans le sens attendu du non-cumul de la fonction ministérielle avec le mandat de parlementaire, au risque d'être à la fois contrôleur et contrôlé, et donc juge et parti. Programme d'urgence de Félix Tshisekedi pour ses 100 premiers jours. Présenté le week-end dernier, le patron de Bigradap Group Technology a salué cet exercice fait par le président de la République démocratique du Congo. Selon elle, bienvenue, Mopulunga, Ikaka. Par cet acte, Félix Tshisekedi a rencontré les besoins et priorités du peuple. Mais il faudra l'appui de tous pour permettre au chef de l'État de réussir sa mission. Sur l'avenue Aix 24 novembre, il vient de se clôturer il y a tout juste quelques minutes, disons une heure à présent, la cérémonie officielle d'ouverture du nouveau centre européen des visas. Aix Maison Schengen, il sera présidé par Philippe Branchin, chargé d'affaires ad intérim du Royaume de Belgique. Elle fonctionnera à plein temps déjà ce vendredi et les demandes des visas s'y traiteront désormais sur rendez-vous avec les requérants. Seb Koumou ne compte pas payer un loyer de 9,4 millions de dollars à la SCTP pour un terrain de 20 mètres carrés à Simisimi. Après plusieurs déclarations, ces agents sont passés à l'action ce mercredi matin où ils ont manifesté devant leur siège social contre ce qu'ils considèrent comme une escroquerie. Les agents ont décidé de n'assurer que les services minimums à partir d'aujourd'hui tout en promettant de durcir le temps dans les heures qui viennent si leurs revendications ne sont pas prises en compte. La délégation syndicale a bien avant tout ceci déposé un mémo à la présidence de la République. À Lomela, la population s'insurge contre des propos xénophobes du candidat malheureux Norbert Yambayamba dans la province du Sankuru. Ils ont, lors d'une marche à travers la ville, apporté leur soutien à celui qu'ils ont élu, Moïse Ekanga, à qui ils demandent de s'impliquer personnellement pour stopper cette mauvaise campagne. Il n'y a pas de milice à Lomela ni un quelconque conflit entre les communautés locales. C'est la précision portée par la population du territoire de Lomela dans la province du Sankuru à travers une marche pacifique contre les déclarations faites à Kinshasa par un candidat malheureux
qui s'est autoproclamé président des ressortissants de Lomela du Kinshasa. La population de Lomela accuse Norbert Yambayamba d'avoir tenu de propos xénophobes et demande à la justice de se saisir du dossier. Dans ses différentes déclarations à travers les médias de Kinshasa, l'intéressé s'est attaqué aux communautés non originaires des Balanga et Bambolé, ignorant le droit garanti à tout Congolais de se choisir une résidence de sa convenance sur toute l'étendue du territoire national. La société civile et la notabilité locale invitent tous les filles et fils de Lomela à dénoncer cette hostilité. À Lomela, il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas de discrimination entre les originaires et les non-originaires. Il n'y a pas non plus de conflit entre la population de la chefferie de Djonga et du secteur de Batetela, dont est originaire le premier suppléant du député réélu de Lomela. Cette marche a été une occasion pour les Lomélois de réaffirmer leur soutien à leur député national réélu Moïse Ekanga, le notable, les chefs coutumiers et la population lui demandent de s'impliquer pour stopper cette campagne menée par un candidat non élu qui se permet de salir l'image de Lomela, un territoire en quête d'investisseurs. Il dénonce en outre la récupération politique et une aggravation malveillante du malentendu mineur survenu lors d'un match de football du dimanche 3 février dernier entre les jeunes. Soirée cauchemardesque pour le Real de Madrid au Santiago Bernabéu. Le tenant du titre, trois fois de suite, quitte prématurément la Ligue des champions européennes. En huitième de finale retour, le club hollandais Ajax Amsterdam s'est remis de sa défaite d'il y a quelques semaines et a corrigé la Maison Blanche à domicile sur un score de 4-1, avec deux titulaires blessés dans les premières minutes de la rencontre et un capitaine suspendu avec deux cartons jaunes. Le grand Real de Madrid sort de la compétition qu'il domine de main de maître depuis 5 ans, la queue entre les jambes.